Agitation inhabituelle à cette période de l'année à Louis II. L'AS Monaco ne rejouera que dans un mois. Les 3600 spectateurs du jour sont venus applaudir le 15 de France. Bah, ils ne viennent pas souvent ici vu que le rugby n'est pas très propagé ici dans ouais, le non, sud-est. Le foot. Et donc du coup c'est trop bien qu'ils viennent ici parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir souvent et tout. Ça rend fier, on se dit c'est pas une région de rugby et ils viennent quand même. Donc ça... Les 42 joueurs français préparent la Coupe du Monde qui débute dans moins de deux mois. Ils sont à Monaco depuis la semaine dernière pour leur premier stage. Voilà, je pense que le cadre est bon, le groupe est exceptionnel aussi, là, on travaille bien, on prend du plaisir à faire les choses. Donc tout est réuni pour le moment, pour que ce soit de bons moments, malgré les conditions qu'on nous met sur le terrain, mais ça fait partie du jeu et c'est pour ça. Donc là, c'est vraiment engranger un maximum de bonnes choses et on verra par la suite. Les séances sont intenses et la chaleur élevée. La présence du public ce mardi a rendu les jambes un peu plus légères. Ça fait toujours du bien, quoi, là, parce que là, l'entraînement toute seule, que nous, là, c'est bien qu'il y a un peu de supporters à côté, même si c'est juste un entraînement normal pour nous. Sans surprise, Antoine Dupont a été le plus applaudi. Le capitaine et ses coéquipiers ont signé quelques autographes en fin de séance avant de regagner leur hôtel. Les Bleus restent sur la Côte d'Azur jusqu'à vendredi.